que pour la reprise, les conditions sont bien. Un peu de près avec 25 nœuds, un peu de mer. On valide le bateau après le gros chantier d'hiver qui a été fait et le temps sans navigation. Donc ça fait du bien de retourner naviguer. Donc c'est plutôt bien que ce soit un petit peu dur. Et puis j'aime bien aussi de retourner un petit peu dans le dur. Ça motive pour aller naviguer encore plus et retrouver le niveau. On va mettre une petite laine. Le t-shirt est pas assez. Il faut être hyper exigeant, il faut rien laisser passer. À chaque fois que tu sors avec le bateau, à chaque heure de navigation, il faut en profiter pour faire avancer. Surtout pas passer un quart d'heure sur l'eau sans que ça ait servi à quelque chose. Bien sûr, on s'était fait une liste un peu plus ambitieuse, on va dire. Il faut l'être. Et c'est ce qui a permis aussi quand même de se faire une super 24 heures, entraînement en solitaire, de la performance un petit peu sur le bateau, des images. Non, je suis très très content de ces 24 heures. On a vraiment bien bossé. Oh, pas mal là, dis donc. Hein. Tu t'es amélioré en drone. Non, c'est bien. Il y a de jolies images. T'as retouché les images sur le orange ? Où il ressort vraiment comme ça. Puis au début, il y a beaucoup d'images où t'as l'impression que je suis éclaté, quoi. J'ai dû me réveiller deux fois, j'ai pratiquement endormi. Tu mets toutes les images, j'ai l'impression que j'ai pourlancé pendant les trois quarts des 24 heures. Le mec, il est à la manette. Oula, si je me réveille. Non, mais c'est sympa aussi, ça fait une ambiance.